'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you. Ça se passe très très bien. On a déjà une bonne quarantaine d'équipes. On visait une cinquantaine, donc je pense qu'on va y arriver d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes. Il y a encore des retardataires, pardon. Voilà, donc on est nickel, on est super content, on a le soleil, on a un endroit qui est magnifique. Voilà, on est en plein centre de la ville de Metz. Voilà, donc c'est top. Il y a vraiment beaucoup de monde, des sourires partout, des couleurs. Et voilà, on est ravis et on a hâte que ça démarre. Là, on est parti sur un fil conducteur des années 1900, on va dire. Donc, toutes les énigmes sont en rapport avec Metz 1900. Et puis, après, c'est beaucoup de balades à vélo personnel qui m'éveillent des énigmes. Je dis, tiens, là, ça pourrait être un endroit sympa. Il faut que l'endroit soit grand, qu'au niveau patrimonial, ça soit intéressant. Et puis, qu'on arrive à trouver une énigme qui soit originale et sympa. C'est difficile de faire passer un message avec des dessins. Je participe à cette manif parce qu'il fait beau, parce que c'est pour Damien et que c'est pour combattre la maladie de Charcot et aider la recherche. Déjà, il y a le côté jeu, hein, où on s'amuse beaucoup. Et puis, Metz, c'est une ville magnifique. Donc, on s'amuse tous à découvrir Metz. On voit Metz différemment. Donc, il y a le jeu, la découverte de Metz. Et puis, pour Damien, parce que je pense à lui. Un don de soi pour quelqu'un de malade, il n'y a rien de plus beau. Donc, il faut que les gens y aillent de tout leur cœur, qu'ils viennent tout le temps nombreux dans des moments pareils, parce que c'est exceptionnel de faire ça. Bravo à toute l'équipe. Et puis, je suis tellement contente, ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour mon tonton, qui sont là pour la maladie. Pour la maladie, oui. Voilà, c'est beau. Super heureux d'être là, il y a une ambiance fabuleuse. J'ai pas réussi à faire 10 pas sans avoir 10 000 bisous. C'est tout ce que j'ai besoin.